Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle soirée en mode question-réponse. Euh, bah, N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Bon, maintenant, ça se passe comme ça. Je pense que vous êtes déjà au courant. N'hésitez pas à me dire si le micro fonctionne bien, si vous m'entendez bien en chat. Merci d'avant alors, je n'ai pas encore envoyé le mail cette semaine. salut à toi, christine. Euh, hier, j'ai fait le premier, euh, le premier atelier harmoniser sa vie qui était, euh, qui était, qui était vraiment cool. on est passé vraiment. Euh, on a passé peut-être trois heures euh, avec tout un groupe. Votre question-réponse euh, totalement libre, et euh, ce, qui est, ce qui a été vraiment super cool, c'est qu'on est passé d'un truc très très subtil, très inconscient, on va dire, à, à des idées beaucoup plus concrètes pour, euh, pour transformer sa vie, pour harmoniser sa vie, et euh, c'est vraiment sympa de fonctionner comme ça. Donc, je je pense que je vais réitérer l'expérience sur le prochain atelier qui sera le 28, le 28 juin, normalement, le mardi 28 juin à 19h30. C'est-à-dire qu'on va vraiment passer de donc question par question pour chaque personne. Et à la fin, on fera une sorte d'intelligence de, 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 collective, de brainstorming, pour, pour que chacun reparte avec des idées beaucoup plus concrètes qui sont issues du collectif, parce que c'est aussi une occasion de. Parce que tout le monde participe, parce que tout le monde, parce que tout le monde peut être une source d'idées. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment hyper agréable. Bon, c'était un tout petit groupe hier. Hein. Mais euh... ouais, à réitérer. Donc, euh, si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur le chat ou par mail. Euh... Et bien, aujourd'hui, on est reparti pour euh, des questions-réponses. Donc, euh, bah, comme d'habitude, je vous aide. À reconnecter euh, les actions et les choix qui sont en cohérence et qui sont alignés sur vous et je vous aide à désamorcer aussi des, euh, des... des blocages inconscients et donc j'attends les questions salut à toi lali salut à toi evelyne j'espère que vous allez bien alors j'attends les premières questions sur le chat si quelqu'un est motivé ou courageux pour, euh, pour commence la soirée, que l'énergie du jour et l'énergie de ces derniers jours sont vraiment euh, assez hardcore. Euh, Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. Je ne sais pas si c'est la pleine lune ou euh, un quelconque truc euh, astronomique ou astrologique. Je ne sais pas, je ne m'intéresse pas du tout à ces trucs-là, mais je trouve, euh, en tout cas dans mon, dans mon expérience personnelle, qu'il y, euh, y a quelque chose d'hyper. Ouf euh, Faut s'accrocher, quoi. Salut à toi, Ophélie. Alors, première question de Christine. Qu'est-ce qui fait que je ressens un sentiment d'être complètement désorienté et triste euh, bah D'abord, merci pour ta question, Christine. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es désorienté et triste Ouais, il y a un truc de désorientation, effectivement. Je suis aussi en train de contacter, ta, de contacter ça dans, dans, dans ton être, dans ta structure. Euh... C'est un truc familial chez toi. Alors, tu me rajoutes, et envie de rien du tout, et, et de tout laisser tomber, c'est assez ouf. Vraiment, merci pour beaucoup pour ta question. Et donc, je tenais à le dire pour, pour toutes les personnes euh, qui hésitent à poser des questions, c'est que. Chaque question que vous posez aide tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment tout le monde. Ça permet parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans vos questions, qui peuvent aussi se reconnaître dans potentiellement les informations que je peux donner. Et donc, ça aide vraiment toutes les personnes qui vont, euh, euh, qui vont, écouter, euh, qui vont écouter ça parler. Alors, il est question de motivation profonde chez toi. Comme si tu passais, euh, avais passé euh, la majorité de ta vie à avoir des buts plus ou moins mentaux sans t'en rendre compte t'en rendre compte, pardon. Euh, et que là, tu t'apercevais tu que toutes, toutes ces raisons, c'était pas que c'était un mensonge avant, c'est que c'est devenu, un, ce sont des, des raisons qui ne sont plus assez valables pour toi. Et donc, il te fallait euh, transformer ta manière d'aborder les pourquoi tu fais les choses dans la vie, les pourquoi tu agis, les pourquoi tu, euh, et pourquoi tu dis les choses, les pourquoi tu... Euh, tel positionnement dans telle situation et donc il y a vraiment quelque chose d'hyper d'hyper important qui est de, de déjà de de laisser vivre cet état de j'ai envie de laisser tomber parce que derrière ce que alors précisément il y a quelque chose derrière il y a, il y a quelque chose derrière qui demande à être pleinement vu c'est que il n'y a pas l'envie de vivre il y a quelque chose en, en il y a une part de toi profonde qui n'a pas forcément envie alors qui refuse les intensités de la vie, qui se sent en souffrance, qui se, qui se sent dans une souffrance. Il euh, y a une incapabilité à vivre la vie. c'est toi, Christine Il y a le côté des orientations il vient que tu t'enracines dans des buts qui, sont, qui ne sont pas ce que tu. Euh, alors, comme je te disais, qui sont des buts mentaux. Donc, il y a quelque chose d'hyper euh, désaxé. C'est pour ça que je te dis une des clés, c'est de t'autoriser à vivre le côté et en fait, j'ai envie de rien. Et de te créer des espaces, c'est hyper important de laisser de l'espace pour toi de se, de se laisser de l'espace pour vivre ce, ces, ces parts qui refusent de vivre. Et en fait, c'est il y a, y, a, y a vraiment un truc par rapport à la naissance. Il y a, y a vraiment quelque chose euh, par rapport à la naissance qui a, pas, qui, qui a été mal digéré si tu veux, chez toi. Et, de, et vient de là le blocage pour te donner plus ou moins une origine euh, globale. Euh... Donc j'en reviens à ce que je disais. En même temps, je relis ta question pour jamais perdre de fil. Euh... Accepte. Alors, c'est toujours un peu facile de dire accepte mais en gros, euh, tu ne perçois pas que tu es le bienvenu, la bienvenue. Pardon. Il y a quelque chose qui est là en toi à ne pas savoir lorsqu'on la touche. Comme si tu ne te sentais pas là, comme si tu ne sentais pas réellement ton corps et que tu, que tu ne sentais pas quand euh, quelqu'un... Comment je pourrais dire ça Quand quelqu'un te, que te... Quelqu te dit quelque chose, tu n'as pas l'impression qu'il s'adresse à toi parce que toi, tu n'es pas vraiment là. Tu es enfermé, tu es très éloigné, comme si tu étais dans un espace intersidéral, extrêmement loin, euh, extrêmement euh, éloigné et totalement seul. Et les paroles, les actes d'amour, les actes de réconfort ne t'atteignent pas. Il y a quelque chose qui n'est pas contacté chez toi parce qu'il y a une sorte de d'armure hermétique qui est là. Euh, donc en fait, ça, ça, si je, je simplifie mon propos, ça donne que tu as, as des barrières à l'autre et en même temps, tu as une, une envie énorme que l'autre euh, touche ton intimité, te touche à l'intérieur. Il y a quelque chose comme ça qui est contacté chez toi. Rien ne te prouve que tu existes. Et il va te, et, et il va te falloir à un moment donné, t'autoriser à vivre cet état pas de dépression, mais c'est un état de vide. Un état de je n'ai pas envie de vivre. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose en moi qui n'a pas envie d'enclencher, de, de rentrer en vie, de rentrer dans la matière, de rentrer dans la vie, pardon. Et voilà le, la clé. C'est de... alors y a, ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de t'autoriser à partager ça. Et donc de cesser toi-même de te rejeter. De cesser toi-même de te, de, de te dire hors, hors d'atteinte de tout et de, et de tout le monde. Tu es là, tu es vivante. Il y a quelque chose qui demande à être secouru, en fait. Il y a quelque chose qui demande à être secouru. Et du coup, tu demandes de l'aide sans demander de l'aide. Il y a quelque chose comme ça. Et tu. Comme si tes demandes d'aide étaient si savamment orchestrées que tu ne vois pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout euh, les résultats, que les autres ne répondent pas à, ce, à cette demande d'aide. L'autre chose, c'est que tu as beau t'évertuer à faire des trucs, essayer d'initier des actions, à trouver des solutions. Il n'y a, a rien qui peut contrer la puissance de ce j'ai envie de rien. Parce qu'en fait, ta priorité, elle est là. Ta priorité est de, est de toi-même aller voir cette, euh, cette zone vide. De toi-même aller voir qu'il n'y a pas l'envie de vivre. Il y a de telles énergies en toi, hyper primaires, hyper, euh, j'ai même, même envie de dire infantiles. C'est si ta envie, il y, y, y a un besoin, il y, y a un besoin profond, primaire, d'être euh, prise dans les bras, de manière physique et ou symbolique d'ailleurs. Lorsque tu, tu essayes, un de tes objectifs cachés, c'est d'essayer d'accrocher l'attention du monde, d'essayer d'accrocher l'attention la, 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 ouais, des gens, le regard des gens sur toi, n'est pas un truc narcissique c'est un truc de survie chez toi parce que quand es seul face à toi-même t'as pas l'impression d'être là et c'est pour ça que là ça t'amène à quelque chose de vide, de comme si ça coupait tous les ponts qui te lient à l'extérieur pour que toi tu puisses euh, pour que toi tu puisses contacter cet espace vide Autorise-toi des moments où tu vis rien en fait. Autorise-toi des moments où tu peux pas, parce que ça parle aussi de ton incapacité, parce que parfois tu n'es pas en mesure de porter les choses, parfois tu pas en mesure de supporter tes propres choix, parfois tu n'es pas en mesure de supporter le, les poids des responsabilités quotidiennes. Et c'est ok de l'avouer, c'est ok de te, de te mettre en lien, de partager avec un autre être humain à partir de ce genre de facettes. Et c'est hyper important de le faire. C'est hyper important que tu sois en mesure d'être ton propre parent, que tu sois en mesure euh, d'être ton propre, euh, je sais pas comment je pourrais dire ça, d'être ton propre garde-fou, d'être ta, ta propre conscience, et que tu en viennes au constat que non, effectivement, là, je ne peux pas, je ne suis pas dans la capacité de. Trouve-toi des zones de repos. Laisse-toi rentrer dans cette sorte de mini dépression entre guillemets qui est en fait salvatrice parce que ça va te permettre d'accéder à quelque chose que je suis en train de contacter chez toi que je suis en train de contacter chez moi que je suis en train de contacter chez tout le monde c'est-à-dire une putain d'envie de vivre parce que l'envie de vivre c'est pas mental et là je m'adresse à toi et je m'adresse à tout le monde et je m'adresse à moi particulièrement une envie de vivre c'est pas mental une motivation c'est pas mental il a rien qui est mental dans ce monde. Pourquoi est-ce qu'on fait pour, Pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on se fait semblant de sourire lorsqu'on veut pleurer Pourquoi est-ce qu'on fait semblant de sourire lorsqu'on veut crier Pourquoi est-ce qu'on fait une poker face lorsqu'on veut euh, lorsqu'on veut s'effondrer en larmes Qu'est-ce qui fait qu'on qu joue ce masque qui n'est pas Vit. Ce masque n'est pas ce que tu vis. Ce mental, ces histoires que tu te racontes consciemment, comme si tu voulais faire bonne figure, comme si tu voulais être quelqu'un de positif, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Accepte de relationner avec des gens et donc de toi faire un pas vers les gens. Vers un tissu social, des amis, de la famille ou qui tu veux, même des inconnus en soirée, pour montrer ton vrai visage. Laisse-toi rentrer dans cette zone de vide, laisse-toi tomber dans cette. Et chez toi, et, chez... et ça, ça résonne vraiment comme un abyss qui a l'air de t'aspirer et toi, tu essayes à tout prix de, 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 de pédaler, de pédaler, de pédaler, de, de sortir de ce trou alors que ce trou, il est fait pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas y rester de manière ad de, de vitam eternam. Ça veut simplement dire. Que là, c'est ta place. Parce que sous, cette, sous ce vide, sous cet abyss, comme si c'était un trou noir qui, qui essayait euh, de, de t'aspirer, il y avait une véritable motivation. Et c'est là où je dis à, à tout le monde qu'on est dans un monde qui est totalement duel. On est dans un monde qui est duel. Donc, c'est-à-dire. Si vous voulez aller vers votre positif, il va falloir embrasser votre négatif. Et le fait d'aller consciemment vers le négatif, ça va vous permettre d'aller toucher les polarités positives. Ce que vous cherchez, en fait. Et donc, et je terminerai ça avec. Euh, euh, je terminerai avec ça pour toi, Christine. C'est bien, Christine Oui, c'est bien, Christine. Ne t'esquive pas. Ça, c'est pour tout le monde aussi. La clé, c'est vous. Il n'y a pas de... Il euh, a pas de meilleure meilleur version de soi. Y a, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des bullshits encore. Ça. Et donc, vis consciemment cette énergie. Que C'est là, là toute la méthode euh, que, 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 que je propose, que ce soit dans mes ateliers, que ce soit dans... Euh, la formation, que ce soit dans ici, c'est de vivre consciemment les énergies qui étaient, les fonctionnements, les énergies qui étaient euh, jusque-là, soit totalement inconscientes, soit euh, demi-conscientes. Et jouer avec jouer avec cette énergie. Le vide est là, c'est une énergie, c'est une part de toi. Et sous cette part de toi, il y a encore un cadeau, il y a encore une autre part de toi qui attend. Tu viennes la contacter en traversant. Voilà ce que j'ai à dire pour toi. Je te souhaite une, une belle soirée. Et donc, soit dit en passant, euh, fin... Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poser, mais il va y avoir une conférence à thème qui va être justement sur ce thème. Le thème de la motivation. Comment retrouver euh, ses motivations, sa réelle motivation, ses réels pourquoi qui ne sont pas mentales, qui sont vibratoires. Qu en général, on s'invente énormément, énormément, énormément de, euh, de pourquoi mentaux. Ah bah je fais ceci pour ça, je veux voyager pour telle, pour telle raison, pour telle raison. Et en fait, je dis pas tout le temps, mais parfois on est à côté de la plaque. Et donc cette conférence, elle va être destinée à des personnes comme toi, Christine, comme moi aussi, hein, qui ont besoin d'aller contacter des choses en eux. Euh qui sont prioritaires si elles veulent trouver une motivation vibratoire, un feu intérieur réel qui dépasse et qui transcende le mental. Et donc ça, je ne sais pas sous quelle forme ça va être, mais ça va être pour bientôt. Je vous tiendrai au courant. Alors, deuxième question. Une question d'Evelyn pourquoi je ne vais pas dans les dans les sensations de mon corps j'ai l'impression qu'il y a un thème commun ce soir oui okay, euh, ok alors pourquoi tu vas pas dans les sensations de ton corps Evelyne parce qu'il y a de la peur parce qu'il y a de la peur je suis en train de contacter chez toi, dans mon groupe parce que tout ce que j'ai dit je tiens à le dire hein. on, on a tout ce que je suis en train de révéler sur comment fonctionne Evelyne je suis en train de révéler euh, comment je fonctionne je suis en train de révéler comment tout le monde fonctionne et donc pendant euh, pendant que j'exprime que, que tout ça et je pense que beaucoup de personnes ont l'habitude parce que ça fait maintenant trois ans plus de trois ans que je fais euh, cartographie de l'inconscient humain euh, fiez-vous à vos ressentis physiques justement alors chez toi, Evelyne, je suis en train de contacter de la peur. Je suis en train de contacter quelque chose euh, qui a extrêmement peur de rentrer dans les abysses, dans, dans, dans le vortex intérieur de ces sensations, parce que c'est quelque chose euh, dont tu n'as pas forcément l'habitude. Alors, non. Dans l'oreille, on me dit que c'est pas que tu pas l'habitude. Tu sais que c'est là. Tu sais que ça existe. Tu l'as déjà expérimenté. Mais les conséquences de suivre les sensations du corps sont pour toi et pour ce que tu as construit au niveau, euh, au niveau euh, psychique, c'est totalement désastreux. Parce que rentrer dans une notion de communication directe avec le corps, c'est quelque chose qui transforme directement ta vie, tes choix, tes relations c'est quelque chose qui transforme directement la manière dont tu vas te positionner dans ta vie la manière dont tu vas parler aux gens la manière dont tu vas de qu'est-ce que tu vas choisir elles vont être tes attitudes et en fait tout tout c'est là pour ça le corps te réclame la matière te réclame la vérité pas ce n'est pas ce que racontent les pensées, c'est la vérité, c'est le corps, j'ai envie de dire. Pourquoi Parce que la, le corps ne mentira jamais. L'interprétation que tu as de ton corps, Evelyne, et de ses sensations, de ses émotions, de ses pulsions, pourra différer selon ta vision, selon ce que tu acceptes de toi, selon ce que tu peux accepter ou pas accepter de toi. Par contre, les stimuli directs de ton corps ne te mentiront jamais. Jamais. Et donc, si je reviens au début de mon propos et à ce que je perçois de euh, tes fonctionnements profonds, Evelyne, tu as une peur de te lâcher, tu as une peur de retourner à l'animalité parce qu'on a un corps animal. Peur de ça. T'as peur de te décaler de l'image que tu as. Et pas ce qui est, est pas qu'il y a de la violence. Hein. L'animalité, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire l'instinct c'est-à-dire les émotions c'est-à-dire les sensations physiques c'est pas quelque chose d'animal dans le sens violent tu crains tu te crains toi-même tu t'es érigé tu as érigé tu as construit une peur de ce qui pourrait potentiellement remettre en cause l'ordre établi de ce qui pouvait potentiellement remettre en cause euh, l'ordre familial. Et dans l'ordre familial, j'entends tes relations. Dans l'ordre familial, j'entends ce qui pour toi est structurant, parce que tu as besoin de liens. Et que tu sais très bien que si tu rentres dans ces sensations, dans les sensations de ton corps, tout ça, ça peut potentiellement aller à la poubelle, et tout ça va aller à la poubelle. Ou, ou parti. Rien ne t'indique. Et c'est ça qui te fait flipper. Que si tu vas dans les sensations, ensuite si tu les écoutes jusqu'à jusqu construire à partir de ça des, des, des actions et des choix, tu as peur de faire voler en éclats tes relations. Que tu n'aies plus de repères. Et c'est ça qui te fait peur. C'est ça que je suis en train de contacter. La peur d'être seul. La peur de ne plus. La, la, la peur à ce niveau-là, c'est la terreur de contacter cette solitude extrême. Et donc, il y a un côté attachement chez toi, attachement à l'autre. Il y a un réel côté où tu t'attaches à l'autre comme si l'autre était ta bouteille d'oxygène et que tu étais en apnée voilà la croyance Et ça c'est la croyance de tout le monde la croyance que tu ne peux pas vivre sans le je te prends le temps de digérer Qui se révèle lorsque je te dis tout ça, qui se met à la surface de ta conscience, qui remonte plutôt à la surface de ta conscience lorsque je te dis tout ça. Et évidemment, ça revient à ce que, à ce que je disais à, à Christine tout à l'heure. Toi, t'es né, mais tu refuses de grandir. Tu refuses de te positionner de manière ferme dans ton instinct dans ton animalité, dans ton corps, dans ses stimuli. Et donc je vous disais, la, 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 la croyance, c'est que tu penses avoir besoin des autres, alors que tu en as pas. Et c'est ça que je suis aussi en train de contacter. Autant tu te soumets à l'autre, autant tu as de la culpabilité à te percevoir un autre étage en toi qui se soumet à l'autre, et autant à de la colère à percevoir cette, ce même étage qui se soumet à l'autre. Une colère profonde. Un, C'est même beaucoup plus grand qu'une colère. C'est beaucoup plus puissant qu'une colère, Evelyne. Quelque chose de, qui te retourne le ventre. Comme le cri d'un nouveau-né quelque chose que rien ne pourra taire et c'est là où je te dis que tout ce que tu exprimes compte tu comptes Entends bien mes mots ta présence, paix, choix, trésor de ce monde. Rien n'est plus précieux que ça. C'est là où tu t'aperçois. Lorsque tu t'autorises à toucher du doigt ça. Lorsque tu t'autorises à toucher du doigt que tu es le trésor de ce monde et que ce que tu produis est une merveille. Et donc il y a un. A quelque chose qui a besoin d'aller contacter ça voilà c'est quoi ta priorité Contacte cette part de toi qui en fait a envie de s'imposer c'est pas c'est pas pour écraser les autres c'est pas pour dominer l'autre simplement qu'il y a de nourrisson en toi, de nouveau né qui vient à peine sortir du vent. qui est en train de crier à plein poumon qu'il vit. Et voilà où tu en es. Voilà c'est quoi ta priorité. Crie à plein poumon. Ta vie, crie ta détresse. Et crie, ça veut dire manifeste-la. Laisse ton corps vibrer. Et vas-y pas à pas, en fait. T'as pas, euh... pas à te mettre bien en tête que tu dois euh... aller vers un but, accomplir un but. Vas-y pas à pas. Comme lorsque tu fais de la plongée, justement. Bah, ou lorsque tu remontes de plongée, tu respectes des paliers. Eh bien, respecte tes paliers. Mais laisse ton corps vibrer ce cri. Laisse ton corps vibrer ce nourrisson. Parce que lui, il a des choses. Ton corps a des choses à dire. Les pourquoi, conscients, euh, mentaux, on s'en fout. Laisse ton corps vibrer. voilà ce que je peux dire pour toi belle soirée à toi Evelyn salut tout l'objectif tout l'objectif de ce que je vous propose d'ailleurs ce que je vous propose c'est pas un résultat un processus ce que je vous propose dans cartographie de l'inconscient humain ce que je vous propose dans la formation communiquer avec la structure inconsciente c'est un processus un processus qui vous permet de vivre votre humanité avec authenticité avec transparence vous permet un processus qui vous permet de contacter de manière directe priorité du moment un processus qui vous permet d'en apprendre plus sur vous, de contacter vibratoirement qui vous êtes. Et donc tout ce que je mets en, en œuvre, tous les écosystèmes que je mets en place permettent ça. Que ce soit ici, que ce soit la formation, que ce soit les ateliers. D'ailleurs, dans les ateliers, je vais beaucoup plus loin que ça. Parce que là, je passe 10 minutes par personne. En atelier, je, je peux passer 40 minutes sur une seule personne quand le groupe est petit. Et donc, si vous êtes intéressé par vivre ça de manière beaucoup plus intense que ce que je fais là, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine session. Ce sera le mardi 28 juin à 19h30. Ok. Faire des internets comme ça, ça me permet vraiment de, euh, de faire une pause hein, parce que c'est aussi intense pour moi. Alors, question suivante. Alors. Ok, le rêve de Lauriane. J'étais dans une ville loin de chez moi, et en regardant le ciel, je vois la lune énorme qui avance très vite et explose. Elle craque en plusieurs morceaux et son contenu se déverse sur terre. Donc ambiance fin du monde dans la ville, et il faut que je retrouve mon père malade dans l'ancôut. Intéressant, serait. Alors, mets en surbrillance, à perte de vue. Euh, Qu'est-ce que ça raconte pour toi, Laureiane Ce qui me vient, c'est qu'il y a des choses qui sont inéluctables. Tu as beau, euh, pardon, tu as beau essayer de euh, esquiver, tu as beau essayer de ne pas, euh, de ne pas voir, tu as beau essayer de trouver d'autres solutions. Euh, la solution la plus la, 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 parfois la, le plus court chemin c'est tout droit il y a aussi une part de je suis effrayé par moi-même qui est là quelque chose qui que tu retiens c'est à peu près la symbolique globale du rêve mais je vais aller plus profondément la lune représente bien ton instinct. La lune représente bien ce qui est à demi éclairé. La lune ne projette pas sa propre lumière. C'est la lumière du soleil qui projette, euh, qui, se réflète, qui se reflète sur la lune. Derrière ce rêve, il y a une énergie qui a contacté et qui a. Et c'est cette énergie qui a créé ce rêve. Freine une énergie. Et là, genre, tu vois, là, ça, ça me dit, mais pourquoi est-ce que tu freines Pourquoi est-ce que tu freines ce qui est inéluctable Et là, je retombe sur peur de moi, peur de craquer, peur d'exploser. Et en même temps, derrière, il y a une énergie féminine qui est là. Rattache à des choses qui ne sont plus pour toi. Rattache à des choses qui ne sont plus pour toi. C'est comme si toi, tu étais la lune, cette même lune de ton rêve, et au lieu de te laisser exploser et te déverser, tu restes catalysé. Tu essayes de te, euh, de te maintenir en place. Et en fait, ça me, ça me branche sur quoi est ta manière de sauver les autres Comme si tu voulais absolument sauver les autres de toi-même. Comme si tu te voyais comme étant toxique. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à résoudre. Il y a juste à se vivre. Tout est là, tout est déjà présent. Et derrière, ça me parle de confiance. Il n'y a pas assez de confiance. Et je ne parle même pas de la, d'une confiance extérieure. Pour toi, l'extérieur, les autres. Euh, en fait, le conte, euh, je me trompe pas, le contenant qui pourrait accueillir. Ce tu vas déverser de toi, tu le considères comme n'étant pas assez solide, comme n'étant pas assez euh, ouais, comme n'étant pas assez solide pour accueillir qui tu es. Et l'autre chose que je suis en train de contacter, c'est que tu te méfies de toi-même comme de l'aide. Et là, je suis en train de contacter encore en dessous. Que la tu refuses la jouissance, tu refuses le plaisir en fait. Si tu te trans on tombe sur une thématique de transformation et que la transformation se fait toujours dans la douleur. La transformation se fait toujours dans la violence, dans le côté fin du monde. Comment tu te transformes peut-être doux. Mais exactement comme avec euh, Evelyne, comme avec Christine. Mais comme avec tout le monde, en fait, il y a la nécessité de vivre le contenu de ta vérité personnelle, de vivre le contenu de ton humanité et de le vivre en conscience. Et ce qui se passe là, c'est que tu refuses la transformation avec la raison de je pense que les autres, je vais les détruire, je pense que les autres ne sont pas assez solides. Et ça, ça induit une, une sensation de toute puissance. Tu te sais puissante, tu te sens puissante, tu te sais violente, tu te sens, tu sens de la violence. Tu sens cette énergie-là, et pour ces quatre raisons, tu ne bouges pas, quitte à imploser. Cette énergie, il va falloir la mettre dans un tuyau pour la diriger pour arroser quelque chose. Délivre-toi. Et donc, j en, j en, je reviens sur le côté transformation. La transformation peut être quelque chose de doux. La, la, une transformation peut être quelque chose de plaisant. Une transformation peut être quelque chose qui peut nous faire du bien. Et là, je tombe. Je suis en train de contacter chez toi, Loriane, une notion de, de... je ne m'aime pas. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Quelque chose qui est de l'ordre, de... qui, qui se rejette lui-même en toi. Ça beau essayer de te prendre dans tous les sens, comme si tu, tu, tu refuses de rentrer dans ton propre labyrinthe. Il y a plusieurs entrées, et quoi qu'il arrive, tu vas devoir y passer, parce que sinon tu ne vas pas pouvoir, euh, on va dire, libérer ce que tu as à libérer pour employer ce verbe-là, même si je ne suis pas fan. Tant que tu n'y rentres pas, C'est là où tu te rejettes. Et c'est là où il y, a la, il y a du paradoxe dans ce, dans ce genre de fonctionnement. C'est parce que parfois la plus grande preuve d'amour vient par des épreuves, par, par des, parfois les épreuves les plus dures de nos vies. Parfois par des trucs hyper souffrants. Mais de s'autoriser à vivre le chemin, de s'autoriser à vivre cette perdition parce que oui, tu vas euh, perdre tes repères. Ça fait partie, tu peux pas vouloir être ce, ce, cette chenille qui grandit et se transforme en papillon tout en conservant sa, sa forme de papillon. C'est pas possible. Cette énergie fait partie de Et en fait, il y a un choix qui n'est pas totalement fait, comme si tu disais que ce choix soit le meilleur pour toi. Donc ce choix de, de construire ce scénario de, de, de violence, de se construire ce scénario de je ne m'aime pas, je me rejette de construire ce scénario. Tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, euh, tu n'avais pas encore fait totalement le choix de le vivre et que tu étais un peu au bord du précipice au bord de cette nouvelle aventure, de ce nouveau monde, euh, parce qu'il s'agit vraiment d'aller explorer le monde. Hein. Donc tu au, au bord de ce nouveau monde pour euh, et, et tu t'es constamment sur les bénéfices, que tu doutais que tu constamment sur qu'est-ce qui va arriver, sur qu'est-ce qui va m'arriver de bien, de mal. Rien ne peut être dit avant que tu y sois, en fait. Rien. Cherche une énième manière d'esquiver de... cette expérience en vous l'encontrant. Les choses, tu les sais. C'est pas une question de qu'est-ce que ça veut dire. pas une question de, de c'est quoi la signification, qu'est-ce que ça dénote de moi, qu'est-ce que ça renvoie de moi, qu'est-ce que ça met en lumière de moi. Il y a une rage en toi. Utilise-la. Il y a quelque chose de cet ordre qui est là. Et sous cette rage, sous ce côté éclaté, mais parce que tu te sens éclaté en toi, comme si tu étais en plein de petits morceaux et que tu faisais et que tu feignais que tu es bien un miroir entier, alors que tu es un miroir brisé. Et vivre cette expérience d'être le miroir brisé va te permettre de expérimenter, de vivre l'amour que tu portes. Parce qu'au-delà d'être un miroir brisé, tu es un miroir, reflète le monde, tu reflètes sa beauté, tu reflètes sa laideur, tu reflètes le tout. Et donc, pour terminer, tu refuses de voir pleinement ce que tu ressens de toi. Tu refuses de plutôt de montrer socialement parlant ce que tu ressens de toi, ce que tu vis à l'intérieur de toi. C'est ça que je suis en train de compter. Et pourtant, la porte est ouverte. C'est comme si tu t étais, t avais vécu dans une grotte très profonde durant des années et des années et tu avais bouché la grotte avec une, un gros rocher. Et là, le rocher, il s'est fendu, il s'est brisé en mille morceaux et la lumière rentre. Et en fait, il ne tient qu'à toi d'avancer vers la lumière pour montrer au monde, pour montrer à l'extérieur, socialement parlant, qui tu es au-delà de ce que tu veux montrer de toi, au-delà de ce que tu veux prouver aux autres. Donc voilà ce que je peux dire pour toi. Je te une belle soirée, Lauriane. Hmm. C'est fort ce soir, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement fort. Alors, ensuite, il y avait une question de Louana. Il y a un an, j'étais diagnostiqué avec l'endométriose. Heureusement, je n'ai pas de douleur. Qu'est-ce que l'endométriose vient me raconter, me montrer Que dois-je apprendre avec ça Alors. L'endométriose. Alors. Dans une des premières choses qui me vient pour toi, Luana, il y a un côté très. Euh, je n'arrive pas à me défaire de ce qui m'emprisonne. C'est. Comme si tu étais englué dans une toile d'araignée et que tu n'arrivais pas à t'en défaire. Et donc je suis en train de toucher des, des choix euh, très profonds, familiaux. Qui, que tu as adopté comme étant tes règles, que tu as adopté comme étant ce que tu veux, mais en fait tu ne les veux pas. Et donc il est question de tes désirs. Il est question de comment tu gères tes désirs humains. Quelque part, ta priorité, Louana, elle est là c'est de porter ton regard sur comment tu veux modeler le monde. Et le monde est modelé à ton image. Le monde est modelé à partir de tes désirs. Le monde est modelé à partir de ce feu, à partir de cette féminité, à partir de cette femme que tu es. Et en fait, c'est très dans l'ère du temps que le fait de... Comment je pourrais dire ça Quelle femme tu es à quoi tu, à quoi tu te soumets À quelles règles tu te soumets en tant que Qu'est-ce qui fait que tu te soumets à des règles qui ne conviennent pas Qu'est-ce qui fait que tu, que tu joues la gentille petite fille Tu joues quelque chose, un, 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 un rôle qui n'est déjà plus le tien comme si tu étais, un... en fait, étais dans une sorte d'état intermédiaire. Plus enfant, mais pas encore adulte. Il y a quelque chose qui a envie de grandir, il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui souhaite s'exprimer, il y a quelque chose qui... Ok, il y a la honte en fait je suis en train de contacter chez toi, c'est une honte de ce qui pourrait être de l'ordre du désir. Une honte de ce qui, comme si tu devais être une femme, mais une femme discrète. Comme si tu devais être une femme, mais une femme qui n'en dit pas trop. Comme si tu devais être une femme, mais une femme qui ne fait jamais de vagues. Comme si tu devais être une femme, mais une femme qui est polie et courtoise. Qui t'a dicté ces règles Et elle est là, l'incohérence. Comment toi, tu peux embrasser le fait que tu as aussi une volonté forte. Tu n'es pas juste celle qui suit sans rien dire. Il y a, il y a quelque chose qui... Auquel tu... Que tu n'écoutes pas en toi quelque chose que tu n'écoutes pas en toi comme si il y avait une balance et que chaque choix chaque parole chaque positionnement chaque chose que tu exprimes dans ta famille euh, dans le cadre de ta famille dans ton cadre professionnel familial amical était minutieusement pesé et que tu savais au gramme près si c'était un choix fait, si ce choix te satisfait. Et là, ça, me, ça vient me faire contacter quelque chose qui me dit que tu n'es pas satisfaite, ou que tu n'exprimes pas totalement ce qui te satisfait et ce qui ne te satisfait pas, ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Cette balance en toi, elle attend que tu l'utilises. Cette balance en toi, elle attend que tu portes un regard sur elle. Parce que c'est lorsque tu n'es pas satisfait et que tu le sais, que tu peux agir, que tu peux le dire, que tu peux l'exprimer. Il y a l'exigence en toi. Il y a quelque chose qui est exigeant, qui sait ce qu'elle veut. Il y a une part du toi qui sait ce qu'elle veut. Qui sait ce qu'elle ne veut pas. Exigence. Et en même temps, il y a une peur. Voilà ce que je sens, ce que il y a une peur, Il y a une peur de ne pas être, de ne pas avoir les épaules. Pour ça. Pas comme si tu ne pouvais pas supporter le poids de tes propres choix, de tes propres désirs, de tes propres besoins. Et il y a à te positionner là-dedans. N'est pas une victime de ce monde. Et il est temps de contacter concrètement dans tes interactions, dans ta vie pro, perso, amicale, etc. etc., Que tu es la créatrice de ce monde. Que ce sont tes désirs qui modèlent ce monde, qui le remodèlent, qui l'informent, qui le réinforment. Ce n'est pas une quelconque force extérieure. Et il est temps de, de déclarer. Un avec cette force créatrice que tu es. Et donc, d'assumer tes propos, d'assumer tes choix, d'assumer tes désirs, d'assumer tes coups de gueule, d'assumer tes émotions. Et donc, de les partager. Le maître mot avec toi, c'est le partage, Connard. Oh c'est la peur qui t'englue pas le patriarcat, pas les règles, c'est la peur de contrevenir à ces règles qui t'engagent. la peur, c'est de la colle de... qui te fait croire que tu ne peux pas bouger, que tu ne peux pas réagir, que tu ne peux pas changer les choses. que tu es dans une incapacité totale. et c'est là que je suis en train de contacter dans ta, dans, dans ta structure quelque chose qui est vraiment sidéré. Une part de toi qui est dans une sidération. Et donc qui se pense incapable parce qu'elle ne fait pas les choses. Qui se pense incapable parce qu'elle n'exprime pas. Qui n'a visiblement rien à dire, mais ce n'est pas parce qu'elle n'a rien à dire à l'intérieur. À l'intérieur, ça, ça exprime, ça chante, ça crie, ça pleure en colère, ça rit. Et cette part qui est sidérée, cette part qui est dans cette énergie de sidération, et donc qui est dans une peur profonde des conséquences. Qui tu es a de l'effet sur le monde. Parce que sans le qui tu es, il n'y aurait pas de monde dans lequel tu puisses t'observer il n'y aurait pas de monde dans lequel tu puisses t'explorer, te comprendre, te connaître. Découvrir des nouvelles parts de toi. Et il est temps de jouer concrètement dans la cour des grands. Cesser de te cacher. Et de cesser de cacher cette colère profonde. Alors, ouais, c'est une colère profonde. Cette envie de te délier cette glu. De délier de ces règles qui ne te concernent pas. Qui ne te concernent plus. Qu'est-ce que tu peux entreprendre maintenant qui te permet Et cette colère, c'est comme du feu qui permet de faire fondre cette toile de la peur et qui te permet de pouvoir remodeler à ta guise ces métaux que tu as en toi, faire fondre, les remodeler pour en faire les outils, pour en faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé, tu n'as aucun devoir, tu n'as rien, tu n'as aucune espèce de devoir envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. La vie est libre. Libre de je dois, libre de il faut. Tu vois Rien ne t'oblige. Les règles que tu as créées, tu peux les détruire. Demain. Voilà la clé pour toi. Voilà ta priorité. Réécrire. Concrètement, à travers tes interactions sociales le destin, la vie au quotidien je vais te laisser sur ça Luana, merci pour ta question euh... la formation communiquer avec la structure inconsciente ce sera le 6 donc le, les lundis 6 et 20 juin donc ce sera de 19h à 22h. Et donc euh, si vous êtes intéressé pour mettre de l'authenticité, de l'honnêteté, de la transparence sur qui vous êtes, et donc pour comment, par quels moyens, ben, en développant vos capacités de clair informant, n'hésitez ben, pas à m'envoyer un mail en me disant bah ben voilà, voilà mon adresse mail, je suis intéressé pour participer euh, au euh, premier cours euh, de la première session de formation. Euh, et moi, j'inscris votre euh, mail à la liste. Et le jour J, j'envoie peut-être une heure à deux heures avant le lien Zoom. Sachant que pour les personnes qui n'ont jamais participé, la, le premier cours est gratuit. Et après, pour euh, deuxième session, c'est 25 euros. Alors. Luana, c'est bon. Octave. Bonsoir, Samuel. Je vis une vie fausse. Je semble faux dans ma vie. Surtout les relations. Je ne sais pas comment remédier à ça. Alors, tu fais en sorte que la vie soit fausse. en sorte de percevoir de la vie de percevoir la vie sous un angle de eh Mais j'ai l'impression que c'est faux ce que c'est pas faux il y, une... y a une résistance à contacter les choses la preuve la, la preuve ultime que ce que tu vis c'est vrai ne pourra jamais être donnée par que ce soit, et, ou qui que ce soit d'autre. Ça ne veut pas dire que... Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que potentiellement, c'est à travers, c'est aussi à travers les autres personnes que tu côtoies, à travers leurs mots, à travers leurs actions, à travers leur choix que tu vas pouvoir te laisser aller aux intensités intérieures. Il y a quelque chose qui... Qui me vient en fait pour toi, Octave, c'est que tu ne te laisses pas toucher par toi. Tu mets en place une barrière pour les mots des autres hétéros. Comme si tu faisais en sorte de ne jamais totalement entendre ce que disent les autres pour ne pas avoir trop d'émotions. Comme si tu imagines, tu te bouches les oreilles constamment comme ça et tu ne t'entends pas vraiment ce que disent. Et donc, du coup, tu ne peux pas vraiment être affecté par leurs Voilà ce que ça. Et là, je suis en train de contacter quelque chose. Une part qui a peur. Qui a peur du changement. Euh, tu penses être un menteur, Octave. Tu as intégré que tu étais un menteur. Et pour toi, cette version est la bonne. Tu es Octave le menteur. Nokio, c'est toi. Et en ce sens, même toi, tu ne te crois pas toi-même. Tu ne te crois pas assez. Tu penses être un menteur. Et donc, tu poses ce mensonge. Pose ce scénario de point ouvrir les guillemets je suis un menteur des sensations physiques et tu fais en sorte de ne jamais trop en dire pour que les autres n'en disent jamais trop afin que toi tu puisses jamais surréagir, réagir tout court te laisser aller à tes La question pour toi, c'est « Qui es-tu » Et à cette question, tu ne pourras jamais y répondre mentalement. Tu ne pourras jamais répondre à cette question mentalement. Tu pourras avoir des indices au niveau mental, mais tu la source de ta réponse ne sera pas. Donc, dans ton... Alors, je reviens à ce que je disais à l'instant. En lien à l'autre, tu fais plus ou moins exprès de ne jamais trop en dire, de ne jamais rentrer dans trop. d'affecte quelque chose qui est un peu fantomatique. Tu là, mais pas là. Comme si tu étais un hologramme au milieu de gens qui sont dans la même pièce. Et donc, oui, tu es là. Oui, tu peux profiter. Euh, ce qu'ils disent mais tu peux pas les toucher ils ne peuvent pas et donc il y a une espèce de manque qui là il y a un manque et il y a un besoin du coup un réel besoin d'être touché de tout T'as peur d'engloutir les autres dans ton malheur. T'as peur de. Euh... Si tu. Si tu exprimes trop, trop profondément, tu crains que l'autre ne soit englouti par tes propres abysses, par ta propre ombre. Je vais aller vérifier si c'est bon. Alors, passe? Ça... Ah. Non, ça a l'air d'être bon. J'ai l'impression que j'ai retrouvé. Euh... Un peu de un, un peu de jus ouais je sais pas ce qui s'est passé c'était euh, c'était mon euh, ma box qui buguait. Euh, donc euh, octave tu pourras revoir au, euh, à pendant le replay alors après octave il y avait ophélie pourquoi n'ai-je jamais réussi à m'intégrer dans le groupe d'amis de mon mari? parce que tu ne peux, peux, peux pas les encadrer. parce que tout de suite, tu as vu le, le jeu faux. tu as vu la fausseté. Euh, pourquoi? parce que ça ne correspond pas à ce que tu veux vivre comme euh, comme, euh, comme relation en groupe. Donc il y a quelque chose qui t'a dit mais fuis en fait. Fuis Ophélie. Et tu vois, ça. Il y a un truc en fait qui me dit... C'est pas la bonne question. Tu vois C'est que... En fait, alors que c'est pas... Alors, c'est pas, pas que la bonne question. Je, je reformule. La question que tu poses n'est pas euh, alignée sur un truc que tu es en train de vivre maintenant. Ça vient de là. Le décalage entre ce que tu dis et ce que tu veux. Le décalage. Dis qu ce que tu fais. En gros, ok, tu veux pas de ce genre de relation, mais qu'est-ce que tu veux comme relation Est-ce que toi, tu fais un pas, un premier pas, vers le type de relation que tu veux Et au-delà de ça, que, comment est-ce que tu arrives à transformer donc on en revient à ce qu'on a dit hier pendant l'atelier Harmoniser sa vie. Comment est-ce que tu transformes pas à pas, processus après processus, euh, initiative après initiative, comment est-ce que tu arrives à transformer l'élan d'un groupe Comment est-ce que, est que tu arrives à être dans ton autorité Donc, c'est comme si tu étais un peu la commère du quartier et que euh, tu es en train de de, de, de dire, tu es toujours derrière ton Judas à dire Ah, mais il y a ça, ça va pas, ça, il faut nettoyer ça. Euh, mais dès qu'il faut remonter les manches, dès qu'il faut te positionner socialement parlant, on va te parler parce qu'on s'y parlait hier, ben. Pas qu'il n'y a plus personne, c'est que tu restes dans ta zone de confort. Il y a une peur du monde, il y a une peur de l'extérieur, peur de naître. Donc, il il s'agit pas de répondre à la question pour toi, Ophélie. Il s'agit de qu'est-ce que tu fais de tout ça. Euh, voilà où ça m'emmène pour toi, c'est Qu'est-ce qui fait que tu écoutes ta tête plutôt En gros, tu utilises de l'énergie pour essayer de répondre à des questions au lieu de construire ta maison. Là, mon objectif, et c'est mon objectif partout, c'est de faire en sorte que les personnes que j'accompagne, que ce soit en session, en atelier, se reconnectent à leurs priorités et puissent acter des choses à partir de ça, à partir de la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes, la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, puissent agir à partir de qui ils sont avec leur pleine authenticité et honnêteté. Toi, Ophélie, concentre-toi sur quelque chose pas utile pour toi maintenant. Donc, ça me, ça me branche en fait beaucoup plus sur. Mais pourquoi elle pose cette question Qu'est-ce qui fait qu'elle se décale de sa priorité actuelle Qu'est-ce qui fait qu'elle est dans une soif de connaissance qui traduit du coup derrière le en fait que tu restes dans la sphère de l'esprit tu restes dans la sphère du, des, des concepts sans jamais rentrer dans la sphère de l'action et du positionnement social. Je ne vais pas te refaire tout ce qu'on a dit hier pendant euh, de 19 à, euh, 19h30 à quasiment 23h. Positionne-toi socialement. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux, Ophélie Quel est le vrai désir de ton cœur, pour le dire autrement Il y a des gens qui ont. Parfois, la réponse, elle est simple. Mais parfois, il y a des gens avec qui on pourra jamais être amis. Et donc, pour répondre quand même à ta question, il y a des gens que tu ne peux pas amadouer. Il y a des gens que tu sais que tu ne peux pas les mettre dans ta poche euh, en étant à leur service. Parce que c'est trop pour toi. Parce que déjà, la coupe est pleine. Parce que tu n'es pas là pour servir les autres. Tu es là pour te pour te servir toi. Qu'est-ce que tu veux créer comme relation à partir de Et donc, on revient à ce que je disais. Est-ce que je t'ai que de, de ce que je t'ai déjà dit hier C'est-à-dire de d'aller dans une notion de confrontation. De ne pas hésiter à ne pas que côtoyer des gens qui vont dans ton sens. Pourquoi Parce que c'est trop facile. Pourquoi Parce que là, tu es assuré que tout le monde va dans ton sens et que tu es une bonne personne parce que c'est important pour toi de te sentir en lien avec les gens. Et que pour toi, le fait que les gens soient d'accord avec toi, c'est le gage euh, qu'il y a un lien. Et comme je te le disais hier, ce n'est pas parce que tu dis. Merde à une personne, c'est pas parce que tu dis non à une personne, c'est pas parce que tu mets une limite à une personne qu'il n'y a plus de lien. Ose rentrer dans un lien pour ensuite y poser tes limites. Il y a vraiment cette nécessité-là. Poser tes limites dans un cadre social t'élimines dans un cadre amical, familial, amoureux. Et traverser cette zone de turbulence que tu vas de toutes les manières traverser, même si tu essayes de ne pas le faire. Même si tu essayes, et comment tu essayes de ne pas le faire, en rentrant dans, des, dans ton labyrinthe psychique, en essayant de répondre à des questions, alors que les questions. la vie n'est pas une suite de questions, la vie n'est pas une suite de problèmes à résoudre. Oublie ça, oubliez ça. L'humaine que tu es, l'humain que tu es, les humains que nous sommes sont là pour vivre, se découvrir, pour découvrir le contenu de notre vérité personnelle, unique, valable et vraie à un instant T, pas valable et fausse à un instant T. Et c'est là, chez toi, que je suis en train de contacter de la peur. Et oui, c'est normal d'avoir peur. C'est totalement ok d'avoir peur. C'est totalement ok. Et c'est une peur de petite fille qui a peur de... qui a grandi, qui est adolescente qui est devenue adolescente ou à de nouvelles libertés mais goûte à la liberté et parce que dans cette notion de liberté il y a cette notion de réussite et d'échec de vrai de faux de bien de mal d'ombre de lumière goûte à ça goûte à ton ombre goûte à tes erreurs goûte à tes échecs goûte à ce que tu fais de bien goûte à ce que tu fais de mal goûte à tes coups de génie Laisse-toi agir, laisse-toi te tromper, laisse-toi tomber, laisse-toi chuter. Parce que tu as besoin de ça, c'est une priorité. Parce que l'erreur n'est pas une erreur, l'erreur est un autre angle de vue. Rien de plus. Rien de moins. Fais des erreurs. C'est la meilleure manière de te prouver. La manière la plus difficile. Et c'est là où tu vas ouf, euh, descendre de tes grands chevaux, j'ai en, envie de dire. C'est-à-dire que tu es, es perché au niveau intellectuel, t'es perché au niveau spirituel, et, mais prouve. Intègre la spiritualité dans ta vie, comment En vivant des situations. Et là, je te je réinvite à te souvenir de tout ce qu'on a dit hier. Vis tes angoisses. Vis tes angoisses, Ophélie. Mm. Pardon mon expression après ce que je viens de dire mais l'erreur c'est d'essayer de alors je vais dire ça autrement lorsqu'on est angoissé lorsqu'on a peur lorsque on est en colère lorsqu'on a peu importe l'état l'état émotionnel essayer de le régler mentalement parlant c'est donner un pansement à une femme qui vient de se faire violer. C'est pas. Euh, ça me fonctionne pas. C'est une victime. Je, je prends un, 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 un cas comme ça, hein, exprès. C'est prendre quelqu'un qui est victime de viol et de, et de, et de, et de lui balancer des règles, euh, des, des, des sagesses, des grandes sagesses de vie. Ça va servir à rien. Et si je prends un exemple moins hardcore, un enfant pleure, un enfant de 3 ans qui pleure à chaud de larmes, le meilleur Enfin, lui dire arrête de pleurer, ça sert à rien. Un enfant à ce âge-là, il a besoin d'être pris dans les bras, il a besoin d'être rassuré. C'est tout ce dont il a besoin. Et donc Ophélie, soit le parent qui accueille cette angoisse. Soit ce parent-là. Merci pour ta question. Donc, je le rappelle, euh, tout ce que l'on vit ici pendant Cartographie de l'inconscient, c'est une, un, un, une bande-annonce, c'est un tout petit teaser de ce que l'on vit pendant euh, l'atelier Harmoniser sa vie. Donc il y en a eu un hier, On aura un le mardi 28 juin à 19h30. Et euh, dans cet atelier, ben, on est tous sur Zoom. Vous me posez chacun une question tour par tour. Et. Bah, tour à tour, eh bah, je dialogue, euh, je, bah, je vous mets en face de vos priorités, je mets de la transparence sur qui vous êtes. Euh, vous êtes à reconnecter les choix, et les fonctionnements, euh, les actions qui sont les plus cohérentes et les plus alignées. Et après, je travaille aussi sur le groupe. Et euh, je vous emmène vraiment pas à pas jusqu'à la concrétisation. C'est-à-dire que je vous donne même des idées. Sur qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement parlant pour résoudre votre situation. Donc c'est un atelier qui n'a pas qui a une, une heure de début mais qui n'a pas d'heure de fin. Pourquoi Parce que je considère que euh, c'est lorsqu'il n'y a plus de questions que l'atelier se finit. Donc c'est un atelier qui coûte euh, 51 euros. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, à vous inscrire dès maintenant pour euh, l'atelier du 28 juin. Donc je rappelle c'est un mardi et ça commencera à 19h30. C'est très transformateur. Pour, vous dire. <laughs> pour tout vous dire, c'était extrêmement transformateur hier. Très puissant. Alors, une question de Hanjoy. Est-ce qu'il y aurait une clé pour me sentir plus en harmonie avec mon corps Alors... Pardon. fatigue se fait sentir. Se sentir en harmonie avec ton corps. Arrêter de lui dire ta gueule. C'est pas mal. Donc le corps c'est un être je le mot qui est aussi intelligent que l'esprit. Il a juste pas la même manière de communiquer. Essayer euh, de communiquer avec le corps, avec le langage de l'esprit, avec le langage rationnel et mental, c'est un peu pisser dans, la, dans un violon. Ça sert un peu à rien. En fait, l'harmonie avec le corps, c'est laisser le corps s'exprimer comme il le veut. Et là, je vais rentrer dans du concret. Hein. Euh, C'est-à-dire que le corps a différentes énergies qui l'animent. Donc, on en connaît, on les connaît tous. Hein secret. Je m'explique. Bah, quand il a soif, tu bois de l'eau. Quand il a faim, tu mange Et j'irai même plus loin. C'est-à-dire que il a envie d'être pris dans les bras, bah, il va falloir trouver quelqu'un avec qui euh, tu vas pouvoir faire un câlin. Il a envie de sexe, il va falloir voilà, potentiellement trouver un partenaire ou une partenaire ou qui tu veux pour euh, assouvir cette pulsion sexuelle. Et en fait, voilà comment rendre le corps. Le corps, c'est un animal. Le corps, il a besoin de papouille. Le corps, il a besoin de courir. Le corps, il a besoin d'exprimer ses pulsions. Et la une des euh, une de tes priorités, enjoy, c'est d'arrêter de vouloir mentaliser le corps, et de vouloir le mettre en boîte. C'est pas le mental, comme je le disais tout à l'heure, qui définit si le corps est bon. C'est le corps, euh, co comment régler les, pro les problématiques du corps, si tant est qu'il y ait des problématiques. Il n'y a pas de problématique Je suis en train de toucher comme croyance collective, c'est que le corps c'est Satan quoi, mais non. Le corps c'est pas Satan, le corps c'est le corps. Le corps est d'une complexité infinie. Il faut être conscient de ça. Donc, pour toi, la priorité, c'est de laisser le corps s'ébrouiller. Si tu as envie de crier, crée un espace, crée-toi un cadre. Donc, utilise l'énergie du mental, le mental qui rigidifie les, euh, les énergies. Donc, tu crées un cadre, tu crées un espace, tu crées un environnement, tu crées un terreau qui te permet, ou dans lequel tu vas te dire, là, je me lâche. Et donc, il peut y avoir une condition, ça pourrait être seul. Il pourrait y avoir une autre condition qui est, ben, en fait, je me sens plus à l'aise lorsque je suis avec des personnes, il pourrait y avoir une autre condition qui serait oui je veux être avec des personnes mais des personnes que je connais pas parce que ça me permet de me lâcher ou alors au contraire euh, oui je veux être avec des personnes mais des personnes que je connais parce qu'il n'y a que là que je peux me, euh, me lâcher et oui je veux avec, être avec des personnes que je connais mais seulement avec la famille parce qu'il n'y a que en eux que j'ai confiance ou alors euh, je veux surtout pas que ma famille me voie là dedans et je veux être avec des amis tu choisis les conditions. Donc le mental ne contrôle pas le corps, le corps ne contrôle pas l'esprit. C'est une collaboration. Et donc laisse le corps enfin il n'y a pas euh... ta question elle est à la fois facile et, et, et simple et simple et difficile parce que se sentir plus en harmonie avec le corps ça signifie mais lui lâcher la grappe ça signifie arrêter de vouloir le comprendre d'arrêter de vouloir le résoudre d'arrêter de vouloir faire quoi que ce soit utile avec le corps le corps comme je le disais il a besoin de papouille il a besoin de sexualité il a besoin de tendresse, de câlins de contact physique de toutes sortes il a besoin de se sentir parfois seul il a besoin d'être dans l'eau il a besoin de boire de l'eau, il a besoin de manger retourne j'ai envie de dire retourne à un état animal enjoy. Et là, Elle lâche en train de toucher une angoisse. Lorsque j'exprime ça à ta structure. L'angoisse du corps. Le simple fait d'être en communication de manière directe avec le corps était quelque chose d'extrêmement difficile pour toi. Et donc tu préfères t'éloigner. Pas feutré. Il y a vraiment une sorte de mise à distance qui est de l'ordre de la Terre, enfin, la Lune qui s'éloigne de plus en plus du, euh, de la Terre au fur et à mesure des années. C'est imperceptible. En 100 ans, tu n'auras rien vu. Par contre, en 10 000 ans, la Lune se sera vachement éloignée. Et en fait, il est vraiment question de ça. Ton angoisse, c'est ta volonté d'éloigner du corps. L'angoisse, elle est là. Tu, tu me dis que c'est quelque chose de difficile pour toi parce que... Parce que c'est quelque chose qui t'angoisse profondément. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui est très intéressant. Que, au fond, il y a du désamour. Au fond, il y a quelque chose que tu ne supportes pas. De. Au fond, il y a... Le fait d'être aussi inconfortable avec le corps, s'il y a une notion de jugement de soi qui est très présente. Et t'as beau faire genre, à beau feindre, fait que tu es à l'aise, ta beau sourire, on voit que t'es gêné avec toi. C'est ça que je suis en train de contacter. Et je dis on, je parle pas des autres. Je te parle de toi-même. Il y a une part de toi qui est dans une gênance extrême vis-à-vis -vis de son corps, qui ne s'aime pas. Il y a une part qui tente de camoufler ça, de mettre un voile. Et il y a une autre part, il y a une autre strate de ta structure qui est là en disant Mais t'auras beau faire tous les efforts que tu veux, ma cocotte. Tu sais pas à l'aise avec toi. Ta priorité, elle est là. Ta priorité, elle est là. Arrêtez de feindre. Arrêtez de faire une faux poker face tout le temps. C'est le processus que je propose. Hein. On est d'accord Arrêtez de vivre inconsciemment les énergies. Arrêtez de les mettre au placard. Arrêtez d'être qui on est au placard. Pourquoi est-ce que tu te fais mal comme ça Pourquoi se faire mal Et là, je te parle à toi, je te parle à moi, je parle à tout le monde. Pourquoi se faire autant mal en cachant qui l'on est En cachant sa vérité personnelle Parce que ça aussi c'est un truc. Et je te dis ça parce qu'il y a une zone de toi qui se dévalue. Il y a quelque chose en toi qui ne veut pas reconnaître qu'elle a la valeur. Comme une racine profondément enracinée qui ne voit pas ça, qui ne voit pas ta valeur, parce qu'elle n'a jamais vu dans les yeux des autres que tu avais de la valeur. Tu me dis que tu veux aimer et accepter, c'est pas un combat. Tu peux pas aller. On, on vit dans un. Je le redis, hein, c'est une information hyper importante. On vit dans un monde duel. Pour accepter ta lumière, il va falloir accepter ton. Ta... Ou plutôt pour accepter ce qu'il y a dans ta lumière pour accepter ce qu'il y a dans je j'accepte de te détester c'est pas déteste toi c'est découvre que tu te détestes -toi. découvre que tu ne t'acceptes pas déjà parce que la lourdeur elle est là la lourdeur c'est quand tu es blessé au genou tu devrais que tu T'es blessé vraiment, tu saignes. Il faudrait que tu ailles limite à l'hôpital pour te faire soigner et que toi tu fais. Mais euh, change de pantalon, soigne pas et tu continues. Tu continues. Tu continues. Tu continues à marcher. Tu continues à faire comme si tu saignais pas. Non. 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 C'est pas complète. sans avoir embrassé, sans avoir accueilli, sans avoir accepté ces parcelles. Tant que tu n'as pas accueilli qui fait, sous toutes ses facettes, sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas, en fait, tu poses un but, tu dis, moi je veux aller vers là, je veux m'aimer, mais... et tu dis, je veux surtout pas passer par là. Et ça, c'est la preuve que tu ne pas. Laisse la vie, c'est-à-dire, la vie, c'est juste une part de toi très profonde. Hein. Laisse la vie te montrer qui tu es. Laisse la vie, laisse-toi l'occasion de révéler qui tu es. Révéler que oui, tu es gêné de ton. Oui, tu n'as pas trop. Et que derrière ça, tu penses ne pas avoir de valeur. Créer un cadre, créer un terreau qui te permette de vivre ces énergies consciemment. soit n'importe quel type d'environnement, social, temporel, géographique. Voilà la priorité de ta Et j'en ai terminé avec toi. Merci pour ta question Hélène. Euh, j'ai vu Elena. Bonsoir à toi Elena. Merci pour ta question. Petite pause, vite petit fait, de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. profite de cette pause pour, pour dire quelque chose qui me tient à cœur en fait c'est on n'est pas là pour résoudre quoi que ce soit on n'est pas là pour résoudre des problèmes en tant qu'humain on n'est pas là pour résoudre des problèmes en tant qu'humain on est là pour découvrir notre vérité personnelle et notre vérité personnelle c'est pas un truc mental c'est quelque chose de vibratoire ce sont toutes les énergies qui nous composent. et une des méthodes que j'applique c'est De les vivre consciemment. Il n'y a pas à analyser qui ont. C'est juste à poser un regard le plus honnête, le plus authentique, le plus transparent possible sur nos fonctionnements, sur le contenu de notre humanité. C'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert ce que, en tant qu'être humain, en tant qu'être, on voulait réellement vivre, qu'on a découvert notre priorité moment euh, dans euh, le contexte euh, familial dans euh, rapport à l'argent ou que sais-je quand on a découvert quelle est notre priorité acceptons de vivre en conscience nos énergies hyper important il n'y a pas à rationaliser les choses il n'y a rien à rationaliser tout ce qu'il y a à faire c'est d'accepter de, de vivre ça d'accompagner d'être son propre parent et d'accompagner en conscience toutes les perturbations, cet océan déchaîné que l'on est. Il n'y a que ça. Enlevez-vous de l'esprit qu'il y a à vous guérir. Enlevez-vous de l'esprit qu'il y a à se résoudre ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est juste des fantasmes. Il n'y a pas à aller... Connecter la meilleure version de soi-même ou quoi que ce soit. Ok, une question de Vam. Bonsoir à toi. Bonsoir Samuel. Pourquoi je n'arrive pas à débloquer ma mémoire sur ma vie dans le foyer familial Ça me saoule. Alors, la première chose qui me vient, c'est que tu as choisi de poser le secret. Tu choisi le secret. Tu as choisi quelque chose euh, comme si tu t'étais. Tu t'étais dit que. En fait. Okay. Ouais, alors. Je, désolé, ça m'a embrouillé. J'ai eu plein d'informations d'un coup. Euh, derrière ta question, il y a la notion de secret. Tu as, as choisi en profondeur de, de poser cette notion-là, de te mettre dans un secret euh, pour mieux t'aider à ne pas être influencé de manière très consciente par, euh, par tout ce que tu as pu vivre en fait dans, euh, dans le foyer familial. Et donc en essayant de percer la boîte de Pandore, tu essayes euh, d'aller de, ouais, voir tes, euh, tes socles, comme si tu essayais d'avoir des repères. Et le truc c'est que tu, en faisant ça, tu refuses le neuf, tu refuses le nouveau, tu refuses de faire à ta sauce. Alors, donc, on est sur une histoire de création. Comment... Euh, ouais, c'est ça. Hein. Comment reconnecter à la notion de créativité et de création et de faire donc, cette notion de ce que j'appelle du feu en soi qui est euh, créer des choses dans ta vie. Et là, je suis en train de toucher une peur chez toi. Tu retournes vers ta famille, comme un enfant de deux ans se retournerait vers maman, parce que ça le rassure. Et c'est pour ça que je te dis que tu essaies d'ouvrir la, la, la boîte de Pandore. Parce que c'est la famille, l'arbre généalogique, l'arbre familial, c'est réellement une boîte de Pandore. Tu essayes de percer le secret pour ta structure. Essayez à tout prix de forcer le coffre. C'est percer le secret. C'est-à-dire, c'est se débarrasser de tes illusions. C'est comme ça que, tu, que ta structure inconsciente C'est comme ça que tu le conçois en profondeur. Tu essayes de faire tomber le voile de l'oubli pour avoir des repères. Parce qu'au fond, c'est une des priorités de ta structure, tu as besoin de repères. Et pourquoi tu as besoin de repères Parce que une... Tu perçois que t'es perdu au milieu de l'océan Sans phare à l'horizon Ne sachant pas où sont les côtes Sans boussole Pleine tempête Et donc tu essayes à tout prix de te repérer quelque part dans le monde Voilà ce que ça dit déjà Et tu en fais une quête de vie c'est ça, ça qui est intéressant. Du fait de ce, euh, de ce fait de, cette, de, de, cette, de ce truc de je veux, de ce but de débloquer ma mémoire, une quête de vie. Pourquoi Parce que derrière, il y a un manque. Ouais, il y a quand même un manque. Ouais, tout converge vers le, la notion de créer tes propres repères. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est devenir, devenir le père. Devenir ton père, devenir ton propre père, ta propre. Ça veut dire accepter de t'éloigner. Tout ce qui ne. Ah, ça c'est un Il s'agit de t'éloigner. De tout ce qui n'est pas un repère c'est une des strates. Je pense que tu as autre chose à faire de ta vie que de percer le mystère de qui tu es dans le cadre familial. Parce que tu peux créer n'importe quel cadre et tu sauras qui tu es. Tu n'as pas besoin... Oh, ok, voilà. Je pense avoir besoin d'un biais extérieur pour découvrir qui tu es c'est le principe même de l'obéissance. De c'est le principe même de la soumission. Tu vois le truc Tu réponds à un stimuli intérieur de soumission. À une énergie intérieure de soumission à l'autorité familiale. Comme si l'autorité voilà, familiale, l'arbre la, généalogique, euh, l'arbre familial, pardon, est, euh, est absolu. Un repère absolu duquel tu ne dois pas tu ne dois absolument pas te décaler sous peine d'être perdu tu réponds de manière automatique à ce, euh, à, ce euh, à ce à ce que je viens de te dire en allant fouiller ta mémoire en voulant absolument la débloquer euh, derrière cette notion de mémoire je reviens parce que c'est important visiblement remplace la mémoire de ce que tu étais avant par la mémoire de qui tu es maintenant dans les différentes interactions que tu pourrais avoir dans un cadre professionnel, cadre familial, dans un cadre amical, dans un cadre amoureux, dans ton rapport à l'argent, en fait, dans chaque instant de ta vie. Et donc, il ne s'agit pas d'aller voir mentalement qui tu es, parce que ça, c'est quelque chose qui te... Alors, ça, ça ne te perd pas. Euh, ça rigidifie les choses chez toi. Ça. Là ça commence un peu à se délier Ta priorité, c'est de découvrir qui tu es maintenant. Simplifie mon discours. Tu prends toutes les situations de vie quotidienne, chaque seconde. Quand t'es seul, quand t'es en groupe, quand t'es avec une... quand es avec un homme, quand t'es avec ta famille, lorsque tu es avec tes amis, lorsque t'es avec des inconnus. Pff, lorsque tu retires de l'argent, lorsque tu es en face de ton banquier lorsque tu cours derrière ton bus, lorsque tu démarres ta voiture. Et à chaque seconde, tu portes un regard sur toi. Non pas pour analyser, pour en déduire quelque chose de mental, de rationnel, de logique, mais pour aller dans tes propres tréfonds. Comme je disais tout à l'heure, pour aller dans tes propres abysses. Il y a une peur je suis en train de contacter une peur. T'as pas besoin passer, t'as pas besoin des autres pour découvrir qui tu es. Les autres, la famille, les amis, tout le monde, entier, la matière n'est qu'une lampe torche, une lanterne. Les autres ne sont que des lanternes qui permettent que l'on voit comment on est habillé, qui on est nos fonctionnements. Et que tu le fasses avec ta famille, que tu le fasses avec tes amis, que tu le fasses à l'autre bout du monde, à Hawaï avec des inconnus, la même chose. Donc, accepte de partager qui tu es. Sans le connaître avant. Je rajouterai ça. Sans connaître. Sans vouloir savoir avant de faire. Et en gros, c'est être aveugle à soi-même. C'est être totalement aveugle à ce que tu vas faire. Donc faire sans connaître. Parler sans savoir. Voilà ce que je pourrais dire. Pour vous. Que ça, c'est une belle soirée. Je le rappelle, mais sûrement courant juin. Je pense que ce sera la dernière semaine de juin. Il y aura euh, une, euh, un atelier. Je vais voir comment je vais mettre ça en forme. Il y aura un atelier sur euh, qui permettra de débloquer notre... Euh, d'aller voir quelles sont nos vraies motivations. Donc, quelles sont nos motivations profondes et comment passer euh, de motivation mental, rigide, intellectuelle, idéologique, dogmatique, a des raisons, a des pourquoi qui sont vibratoires, qui sont de l'ordre du corps, qui sont beaucoup plus enracinées, beaucoup plus puissantes que des raisons purement idéologiques ou mentales. Alors, question de Joël. Pourquoi je m'en compte de trucs et du... Mal à m'en débarrasser. Encombre, donc je suppose que ce sont des objets, Joël. T'encombres d'objets. On pourrait dire que t'as peur du vide, mais c'est pas ça. T'as peur de l'inconnu. T'as besoin de repères fixes. Pourquoi t'as du mal à te débarrasser bah, Pour la même raison. Parce que si tu te débarrasses des objets, ça veut dire que l'aventure t'appelle. Et tu as besoin de quelque chose de fixe dans ta tête. À ce niveau-là, en fait, tu laisses le mental rassurer les émotions. Donc tu laisses la rigidité en toi. Le mental, ce n'est pas, pas les pensées. Le mental, c'est ce qui permet de rigidifier les énergies. Et tu laisses le mental s'occuper des émotions au lieu de toi-même t'en occuper. Pourquoi bah Parce que tu es une petite fille. Tu as besoin d'être rassuré. Et donc, tu te... Te rassures pas par tu peux te rassurer par le sucre, toi tu te rassures par les objets. Tu as besoin d'un monde connu, tu as besoin d'un monde que tu connais par cœur. En fait, c'est comme si tu disais mais j'accepte de vivre à de partir à l'aventure, mais par contre je refuse de partir de ma maison. Et tu me disais moi je veux que tu me fasses partir en voyage, je veux partir en voyage mais sans bouger de chez moi. Avec les mêmes objets, avec les mêmes voisins, je veux et je demande l'impossible. C'est le truc et tu demandes quelque chose qui n'est pas possible. Well. Bah tu ne parles pas de ton conscient on est d'accord je parle de cette de cette énergie en toi que je, ce fonctionnement en toi que je suis en et c'est pour ça que, et qui crée après cette addiction aux objets parce qu'au fond tu pas as envie tu n'as envie et tu n'as pas envie de bouger simultanément en fait pourquoi tu as envie de bouger parce que tu as un désir Et en même temps t'as pas envie de bouger parce que tu as honte et voilà où tu en es ça te permet de rester en place en fait tu t'ancres c'est sur le principe de l'ancrage le principe de l'ancrage il faut savoir que c'est pas euh, ça n'a pas vocation à être euh, terrain dans le temps le principe de l'ancrage c'est quelque chose qui est temporaire les amis Sancrer, par exemple, avoir le sucre est une encre qui nous permet de, de combler notre, euh, une affection qui manque, notre besoin de contact, notre besoin de douceur qui manque. C'est censé être temporaire. Donc c'est OK d'avoir une béquille temporaire comme le sucre pour euh, combler notre besoin d'affection. Mais par contre, en faire une solution euh, sur le long terme, ça devient toxique moment il y a la nécessité de bouger Joël donc tes objets c'est une encre un ancrage qui est temporaire ce que je suis en train de toucher lorsque je communique avec ta structure et que je lis tout ça c'est qu'il y, y a une terreur de l'extérieur, il y a une terreur des autres il y a une terreur de tout ce qui n'est pas l'humain étant par nature et en fait le monde entier étant par nature impermanent, pas fixe, totalement imprévisible, et le monde étant un imprévu, un terreau, une source d'imprévu total, tu choisis de rester fixe dans ta vie. Comment À travers ces objets-là. C'est le désir contrarié qui crée tout ça. Tu fais en sorte de contrarier tes désirs. Pourquoi Parce que il y a une partie de toi qui a assimilé que un désir que tu avais toi ne pouvait pas être comblé, ne pouvait que être interdit ou contrarié ou ralenti. Il y avait forcément une résistance entre le désir et son accomplissement. Et là, je suis en train de toucher toi une soif. soif profonde de, de, de grand air d'air frais t'as qu'une envie c'est de brûler ta maison j'ai envie de dire tu vois c'est de brûler tes objets tu n'attends que ça il y a quelque chose en toi qui n'attend que ça de pouvoir te libérer et bon évidemment je te dis pas de brûler tes objets hein. c'est un peu dangereux euh, c'est quoi la priorité pour Mets-toi en danger. Il s'agit réellement de te mettre en danger. Je te mettre en danger, c'est accepter d'aller au contact de l'imprévu. Pourquoi Parce que ta priorité absolue, combler tes désirs. Vivre l'expérience que tes désirs peuvent être comblés pour, afin d'assimiler que la croyance que tes désirs euh, sont forcément contrariés ou interdits est totalement fausse. En gros, jusqu'à présent, je te, le, je, te re, je te reformule le tout. Jusqu'à présent, pour toi, un désir, c'était forcément contrarié ou interdit. Et là, tu es en train d'expérimenter l'autre face de la pièce. C'est-à-dire que qu'un désir peut être accompli. Et je te parle bien de désir. Et donc, il s'agit de décaler tes désirs du matériel à l'émotionnel. Tu remplaces tes émotions par des objets. Tu mets tout au niveau matériel parce que ça te permet de pouvoir contrôler tout ça. Dès que c'est immatériel, dès que c'est subtil, ça te met en panique parce que tu peux pas contrôler. C'est là où je tombe dans la notion de contrôle. Tu as besoin de te sentir dominante sur la bonne marche de ta vie. Sauf que cet élan de domination, cette énergie de domination qui n'est pas un jugement de valeur, c'est juste que l'être humain a énergie soumission et de l'autre énergie domination. Comme ça libre à toi de voir si tu veux l'utiliser en conscience et devenir adulte, ou si tu veux rester la petite fille que tu es, qui est euh, en fait totalement insécurisée par le monde et par les adultes, par l'autorité extérieure. Et simultanément, euh, une euh, petite fille qui refuse de voir qu'elle a le même, euh, la même énergie en elle, celle de vouloir dominer. Celle de, celle de vouloir ouais, dominer l'autre. voir tes émotions joël et tes émotions alors il ne s'agit pas de vivre les choses toutes seules dans ton coin. ça c'est pas du ça c'est pas s'assumer vivre tes émotions ça se passe forcément dans un contexte social et un contexte social ça peut être avec des animaux hein. ça peut être tu adoptes un petit chien et t'en fais voir de toutes les couleurs et t'as pas le choix que de euh... D'aller brancher ta colère. Tu n'as pas le choix que, que d'aller te relier à ta colère euh, pour mettre les points sur les i. Voilà ce que je peux dire par rapport à, par rapport à toi. Je te remercie pour ta question. Bonne soirée. Une question de Teva. Salut à toi, Teva. Pourquoi on s'interdit des moments positifs d'amour ou de plaisir euh... Alors... C'est culturel. Dans toutes les cultures du monde, que ce soit Europe, euh... Amérique, enfin Occident, Orient, Asie, bref, Afrique il y a un veto sur le plaisir qui est assez énorme. Alors, de manière un peu plus profonde, là j'ai fait que gratter la surface, euh, des moments de plaisir, c'est forcément des plaisirs coupables. Et un moment de plaisir coupable va t être, euh, tu auras une dette. Et donc du coup, avoir une dette, bah, vaut mieux éviter dans ce monde. Avoir une créance vaut mieux éviter. Et donc pour, évi pour, euh, pour éviter d'avoir des dettes, bah tu évites d'avoir du plaisir, des moments positifs d'amour. Hein. Euh... Tu racontes. Sortir. La réelle question derrière, c'est comment tu peux sortir de la culpabilité du plaisir. Et là, on est un peu plus aligné sur la priorité de ta structure. En gros, tu refuses de goûter le plaisir. Comme si tu tournais autour de ton plaisir, tournais autour de ces moments d'amour, tournais autour de ces moments positifs, sans jamais rentrer dedans. Parce que c'est quelque chose qui, pour toi, est, est, est littéralement improbable. Tu vois le truc c'est litté littéralement improbable. Le plaisir et l'amour n'existent pas. Ce qui prévaut, c'est l'autorité. Ce qui prévaut, c'est Ce l'autorité. L'autorité fait loi. Et donc, euh, derrière, tu as un but caché de maintenir l'ordre de ton monde personnel et en vouloir maintenir ton monde personnel l'ordre du monde ton monde et pour toi ton monde c'est celui de tous les autres et eh bien il faut retirer le, le facteur plaisir le facteur amour le facteur amour positif et donc c'est le choix de de vivre l'ordre plutôt que le plaisir. Et après, on s'étonne de souffrir. Il y a la nécessité de revisiter tes choix. Le plaisir, c'est l'impermanence. Et on peut évoluer en positif. On n'est pas toujours obligé de souffrir de manière automatique pour pouvoir... Euh, vivre et évoluer et s'accepter et tu as un objectif ferme un objectif vraiment 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 euh, très très rigide on va dire de euh, d'atteindre euh, le parfait et pour toi le parfait c'est un, une zone un objectif qui euh, est exemple est, est totalement dénué de plaisir d'impermanence et donc c'est dans ton arbre familial le plaisir est interdit le plaisir est honteux Le plaisir n'a pas sa place et tu réponds à un, on va dire un ordre ancestral un programme de ton arbre familial en gros c'est le patriarche qui décide et euh, maman doit fermer sa gueule. Je euh, résume. Et t'arrives pas à choisir entre papa et maman. Et donc en gros, il s'agit de, de ne choisir ni papa ni maman, mais de te choisir toi et de créer tes propres règles. Et pour créer tes propres règles, il va falloir cest une sorte de constat sur quelles sont tes règles actuelles. Et pour ça, il va bien falloir les vivre en conscience. Vivre ce que tu as posé comme choix. Vivre ce que tu as posé comme énergie derrière tes actions, comme émotion, sensation physique. Je pense que c'est à peu près ça, Choisis toi Choisis-toi. Explore-toi. Remets-toi en question. Voilà la priorité. Priorité de découvrir. Bonne soirée à toi, Théva. Et une question d'Elena. Je fais plusieurs choses à la fois. Tu fais plusieurs choses à la fois parce que tu n'as pas envie de voir ce que tu fais. C'est... Euh, alors... Si je remets les bases, hein, aucun être humain, homme comme femme, ne peut être à 100% dans, dans plusieurs tâches simultanément. C'est pas possible. Et donc en fait... Faire plusieurs tâches à la fois. C'est une stratégie pour éviter de vivre intensément ce que l'on fait durant chaque, chaque tâche. Donc il est encore, c'est la thématique du corps évidemment, c'est encore la, ta relation au corps. Et j'ai même envie d'aller plus loin pour toi, Elena. Euh, ça t'empêche d'être dans l'instant présent, enfin de découvrir que tu es déjà dans l'instant présent. Tu détournes ton attention à travers, comme si tu essayais, ok, euh, dire que tu fais plusieurs choses à la fois, et que et c'est comme si tu dis, tu disais, je peux suivre trois films à la fois. C'est pas possible. Tu entames plusieurs tâches empêcher de prendre conscience de ce que tu ressens et de ce que tu pourrais ressentir pendant chacune de ces tâches. En fait, ça te permet de diminuer l'intensité. C'est une manière de, de détourner ton attention de ce que tu vis quelque part. Si je dois résumer. Et en détournant l'attention, en fait, tu es dans un ailleurs. Tu mets pas... une partie de ta conscience ailleurs. Et il y a une peur de découvrir ce qu'il y a dans le maintenant chez toi. Il y a quelque chose, tu sais que si tu restes ici, donc c'est-à-dire que tu fais une seule tâche et tu attends de terminer cette tâche pour pouvoir en entamer une autre, que pendant le processus de la dite tâche, tu restes présente à toi-même, parce que c'est ça dont il s'agit, il y a une crainte de découvrir. Que tu te caches. C'est comme s'il y avait ton corps ici et que ton, ta conscience était en arrière-plan, tu vois, était là-bas. Il y a vraiment la, la nécessité de ramener ta, ta conscience, de ramener ton attention à ce que tu fais. Ok. Et on avance un peu. Euh, tu as peur de voir que tu fais des erreurs. L'erreur pour toi, est quelque... c'est un drame. Pour ta structure, c'est enregistré comme étant un drame total. Si tu perçois que tu fais une erreur, ça veut dire que les autres le voient. Ça veut dire que tu es puni. Ça veut dire que tu as mal fait une chose. Que tu n'es pas dans les règles, dans la grille de lecture bien ou mal. Euh... Dans ta grille de lecture bien ou mal. Et donc derrière ce sujet. Ok. Il y a, il y a une espèce de, de, de vide qui est là. Ok. Donc c'est la relation à une énergie masculine. Donc je, je dirais la relation aux hommes. Euh, pourquoi Parce que l'homme, c'est l'autorité. Et il faut pas que... Ah ok voilà. Cette grille de lecture bien mal que tu dois absolument respecter, c'est euh, l'homme qui l'a mis en place. Tu dois absolument que l'homme c'est l'autorité. Et tu dois absolument pas faire une erreur. Donc je dirais la priorité pour toi c'est de faire une erreur. accepte de faire Fais quelque chose en une recette de cuisine simple à faire mais loup la sciemment l'erreur n'est pas quelque chose de mal l'erreur n'est pas quelque chose qui euh, qui est mal qui est négative comme je le disais tout à l'heure L'erreur, c'est un autre angle de vue qui nous permet de voir la même situation d'un autre angle, d'un autre point de vue. Reviens à toi. Reviens à tes erreurs. Et en revenant à tes erreurs, tu reviendras à ce que tu fais mieux et à qui tu es. Surtout. Voilà ce que je peux dire pour toi. Bonne soirée. question de pierrette pourquoi je me sens en dépression je ressens un vide je me sens vide perdu sans plus envie et d'objectif j'ai du mal à retrouver ma joie de vivre je me sens seul et désespéré alors euh, du vide alors la Pardon. Ok, rien ne peut m'être donné. Il y, a, il y a cette sensation dans ta structure que euh, tout, est tout est interdit. Et personne ne peut te donner quelque chose, la vie ne te doit rien, ne va rien te donner, comme si tu étais puni à vie. Alors que tu as envie, comme si on te, on te disait, euh, euh, on te mettait devant un buffet, et qu'on t'interdisait l'accès au buffet, alors qu'il y a tes plats préférés dessus. Alors, j ai, j ai dit, le, le, le truc le plus important, c'est déjà de te laisser un espace pour vivre ça. À la fois seul et à la fois, un, et à la fois avec des personnes. Parce que sous cette. Euh, sous cette notion de vide, sous cette énergie que tu perçois comme étant vide, il y a quelque chose. donc, toi, le monde ne, ne te ne va rien te donner. toi, tu es puni. il y a quelque chose de euh, d'immensément injuste à vivre. voilà ce que je il y a l'envie, mais le poids de l'envie de vivre n'est plus assez puissant pour contrebalancer cette non-envie. Ce côté, je n'ai pas le droit, et comme je n'ai pas le droit, je me retire du monde. J'ai envie de te dire, tu n'as peut-être pas à la retrouver. Peut-être que ta joie a changé de forme. Ta manière d'être en joie a changé. Et pour ça, il va falloir que tu le découvres. Il va peut-être falloir que tu acceptes de découvrir la nouvelle définition de ta joie, la nouvelle forme que tu peux donner. Pour ça, j'ai déjà dit tout à l'heure parce que c'est une, euh, une question qui a déjà été ta question a déjà été posée plus haut au Pierrette. En acceptant de vivre consciemment cette, cette notion de dépression, ce, ce vide, pour moi qui est euh, chez toi une notion d'injustice profonde où le monde, tu perçois que le monde ne va rien te donner, où tu n'as pas ta place. Et surtout, il y a cette énergie de euh, mes illusions sont perdues. Tu t'es rendu compte de la réelle nature des gens. Comme si tu avais des amis, des années et des années, tu croyais les connaître. Mais qu'en situation de danger, ils, vont, ils se sont choisis, eux, au lieu de toi. Ils t'ont pas sauvé, ils ont pas essayé de te sauver. Et du coup, il y a un côté voile qui tombe. Voilà ce que je suis en train de, de, de toucher chez toi. Et plus ce voile tombe, plus t'es désillusionné. Plus es désillusionné, moins t'as la joie de vivre. Parce que ta joie de vivre, elle est liée à ton rapport à l'autre. Elle est liée à la présence de l'autre. Il n'y a pas les autres. Pas de joie de vivre. Et là, je te parle vraiment au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment 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 conditionné à la présence de l'autre, à comment l'autre te nourrit au niveau émotionnel pour pouvoir avoir ta joie de vivre. Pour avoir pour obtenir ta dose de joie de vivre. Et là, ce qui me vient dans ta structure, c'est qu'est-ce que je peux faire Dans le sens, mais qu'est-ce que je peux faire, réellement faire quelque chose toute seule Et oui, en fait. Ce désert que tu es en train de vivre, il va falloir te le faire. Marche. Il y a toujours quelques oasis. Donc sois extrêmement présente à toi-même autant que tu le peux. Et surtout, n'hésite surtout pas, surtout, surtout pas, à partager avec l'autre. Là, je te parle de manière très pragmatique, mais t'es pas seul. On est là. On est, il y a vraiment des gens qui sont là pour toi. N'hésite pas à partager ce que tu avec eux, avec ces personnes. Parce que c'est ça que tu cherches en fait. Il y a une zone de toi tout au fond, cachée tout, 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 tout au fond, qui ne se rend pas compte qu'elle est accompagnée qui ne se rend pas compte qu'elle est autorisée à vivre dans le monde ne se rend pas compte que le monde est là pour elle et même plus c'est elle qui a créé le monde et que sans elle le monde n'existe Tu es la bienvenue dans ce monde, direct. jouir et prendre plaisir à tout dans le monde. Les couleurs, toutes les saveurs, les formes, les individualités. Rien de terme. Et sous cette dépression, sous ce vide, je ressens une, un grondement profond, un élan de vie profond qui est là. Et c'est parce que cet élan de vie monte que cette, ce vide. Pourquoi Parce que ce vide est posé sur cet élan de vie-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour aller toucher la vie en soi, falloir aller toucher la mort en soi. Toutes les parts de nous qui n'ont pas envie d'être parts de nous, qui n'ont pas envie de vivre les parts de nous. Ne s'autorisent pas. Pense ne pas être autorisé à jouir de ce monde, à jouir de la matière. Le monde est enterré. le monde n'a ni frontière, si ce n'est celle que tu décides pas de France, détats de États-Unis, Angleterre, le monde est à toi. Le monde est réellement à toi. et ce vide est à vomir. Il y a plein de choses en toi à expulser. Pourquoi parce qu'il y a bien quelque chose qui remonte de tes que c'est à travers cette petite mort, à travers ce vide que cette vie se manifeste Respire là-dedans. Et surtout, j'insiste, ne vis pas tout ça seul. Parce que sinon, tu vas dire la croyance que tu ne peux pas, que tu n'es pas de ce monde-là. Comme si tu n'appartenais pas à ce monde-là et que tu pas. Euh, bah t'es pas française, bah t'as pas la carte d'identité française, bah tu peux pas euh, entrer dans le pays. Bah en fait si la terre est ton pays, la vie est ton pays. Ta nationalité. Voilà ce que je peux dire pour toi. Euh, Pierre. Je vous souhaite une belle soirée. Ok. Du coup. Alors je le rappelle. Euh, je pense que là on va terminer sur ça aujourd'hui. Je le rappelle, mais euh, ma formation communiquée avec les structures inconscientes sont les lundis 6 et 20 juin de 19h à 22h dans dans cette formation, on... chacun pose la question qu'il veut en fait, et c'est le groupe qui va répondre à la question. Donc on va tour à tour mettre de la transparence, de l'honnêteté et de l'authenticité sur qui est la personne. Donc on va communiquer de manière directe avec la structure de la personne, et en de remettre les gens sur leur priorité de vie. Et donc, ça, je fais des petits jeux, je, je programme plein de petits jeux autour de la question de la personne afin que les gens ben, connectent l'information et connectent leur manière unique de recevoir les énergies, leur manière unique d'être clair, informant, clair. Ensuite, si vous êtes intéressé euh, par la méthode que je propose, sachez que ce que vous vivez dans cartographie de l'inconstant humain est une toute, 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 toute petite. Un tout petit échantillon de ce qui se passe pendant l'atelier Harmoniser sa vie. C'est un atelier qui a lieu une fois par mois. L'atelier de mai a eu lieu hier soir. Le prochain atelier, c'est le mardi 28 juin. C'est à partir de 19h30. Sachant que dans cet atelier-là, on est tous en visio, sur Zoom, pas retransmis sur YouTube et. Euh... Vous pouvez, vous, pouvez, euh, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur ce que vous vivez en ce moment. Moi, euh, je fais le boulot de vous rebrancher sur vos priorités de vie, quels sont vos choix, euh, vos besoins, vos actions qui sont prioritaires en ce moment dans votre vie par rapport à la thématique que, que vous m'exprimez. Et évidemment, bah, comment je le fais bah, En mettant de la transparence, de l'honnêteté, de l'authenticité sur qui vous êtes. J'utilise la claire information euh, pour vous rebrancher sur tout ça. Et ensuite, je vous donne des idées beaucoup plus concrètes. La prochaine fois, il y aura peut-être euh, un peu de brainstorming euh, collectif parce qu'on commence par des trucs très très subtils et très. Bon, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient, etc. Jusqu'à euh, des idées très concrètes pour vous donner des, euh, vous donner des pistes d'action. Qui sont, euh, sont pertinentes pour vous. Comme ça, vous avez à la fois, on va dire, une reconnaissance de qui vous êtes à l'intérieur et des idées concrètes pour vous aider à acter et à créer des solutions dans votre vie. C'est un atelier qui coûte 51 euros. Il n'y a pas de limite de temps. L'atelier termine quand l'atelier se termine. Et puis voilà. Vous avez évidemment accès euh, à l'enregistrement. Euh, et sûrement, alors soit en juin, soit en juillet, je ne sais pas encore, je vais programmer une conférence ou un atelier, je ne sais pas, sur, euh, qui, va qui va nous permettre de reconnecter nos motivations. Une motivation qui n'est pas juste mentale, une motivation qui est vibratoire. Vraiment, j'ai envie que cet atelier nous permette à chacun de connecter sûrement autour d'une thématique une motivation qui soit réelle et fondamentale, ne soit pas une motivation forcée. Et donc ça, c'est très très en lien avec le fait de reconnecter mon envie de vivre. Donc je vais voir quand est-ce que je vais mettre en place cet atelier ou cette conférence et je vous tiendrai au courant. Sinon, euh, pour vous tenir au courant, n'hésitez pas à aller sur mon site internet et à vous inscrire sur la newsletter. J Envoie une fois par semaine un mail, de décrypte et déc une énergie, mettre de la conscience, cette de l'authenticité sur une énergie. Et je vous donne évidemment des clés de vie, des clés de résolution pour vous permettre de, que chacun puisse avancer là-dedans. Et en même temps, bah, je donne aussi euh, bah, les dates de mes prochains stages, de mes prochains ateliers, etc. Ah oui, le stage Il euh, y a un stage en forêt jeu de, de l'inconscient. Le 21, 22 et 23 mai. Euh, le 21, 22 et 23 juillet, pardon. C'est dans la forêt de l'Escandorgue, c'est au nord de Montpellier. N'hésitez surtout pas à vous inscrire si ça vous intéresse, parce que là, on, je vous aide à reconnecter vos priorités de vie, à désamorcer des blocages à travers, euh, à travers le jeu. Donc, pendant toute une journée, je vous apprends un protocole pour communiquer avec la forêt à travers le jeu. Et ce protocole vous permet de vous libérer de blocages et de vous reconnecter aux énergies qui sont adéquates et alignées sur vous. Et en prime, vous partez bah, avec ce protocole qui vous permet de, euh, bah, de l'utiliser quand vous voulez. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me contacter aussi via mon site internet, rubrique euh, contact ou je ne sais plus quoi. Et voilà, ça a été un plaisir euh, d'avoir toutes vos questions aujourd'hui, de vous accueillir tous et toutes. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Euh, je vous dis à semaine prochaine pour euh, belles aventures. Euh, Puis je ah. ah. Bye.